Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Aujourd'hui, séance d'épilation avec ma petite Karine. Ça va Karine? Hello. Ça fait ben, longtemps. Bah oui, ouais. Bon, c'est parce qu'il y a plus grand chose là. Hein. C'est vrai. Je vais pas venir toute ma vie quand même. Voilà, il y a des petits poils par-ci par-là et le tour est joué. Allez, go. Regardez cette petite zone. Quand je vous dis, non mais laisse tomber, ils sont ridicules quoi. Ils sont là, non, on lâchera rien. Voilà, quand vous avez vraiment fini vos séances à la toute fin, bah vous en avez 10. Là, il y en a un autre. Porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió tumba. La collection Loud and Clear, donc ce sont les produits dans des packagings transparents. Ce sont des teintes permanentes, il me semble, mais les packagings sont en édition limitée. Je crois, si j'ai bien compris le truc. Et du coup, on a la collection Petal Power avec un packaging rose métallique. Maybelline, que je surkiffe, je suis trop heureuse. Je fais partie de la nouvelle campagne Maybelline Fit Me. Donc c'est le matte plus poreless foundation normal to oily with clay. Donc clay, c'est de l'argile verte. Pour les intéressés, donc ce fond de teint, je vous en ai déjà parlé des millions de fois sur ma chaîne YouTube. Il est juste génial, parfait au quotidien. Sachez que moi, j'ai plutôt la peau à tendance sèche à mixte. En ce moment, elle est plus mixte que sèche, mais il est parfait. Moi, je trouve qu'il va à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à le tester. En fait, l'argile verte va vraiment vous aider à réguler l'excès de sébum. Donc, ça va vraiment contrôler la brillance. Ça va vous apporter matité, mais pas carton. Je déteste les fonds de teint mat qui font un teint dégueu, cartonné, je trouve pas ça joli du tout. Avec celui-ci, ça va matifier votre teint, mais vraiment ultra naturellement, vous allez garder du glow et de la lumière. Je pense que vous le connaissez, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Moi, ma teinte, c'est la teinte 128 Warm Nude, mais je ne savais pas, il est dispo en 50 teintes. Non, je savais pas du tout. C'est un truc de dingue, donc n'hésitez pas à aller checker parce qu'il y a certainement votre teinte. Et je l'adore. Et en fait, c'est Maybelline, je fais partie de la nouvelle campagne qui est hashtag plus que ce que tu vois. Parce que c'est vraiment en confiance qui va améliorer ta peau, qui va te faire prendre confiance en toi en fait, et je trouve que c'est un super joli message. Vous savez à quel point je suis pour ce genre de voilà de valeurs, de messages. C'est ce que j'essaie de vous transmettre au quotidien à travers ma chaîne, et je fais de mon mieux en tout cas, et je suis hyper fière de faire partie de cette campagne. Donc n'hésitez pas à aller checker le fond de teint si vous le connaissez pas encore, et surtout à aller checker le hashtag si vous voulez voir un peu plus de contenu là-dessus. Mais je trouve ça vraiment génial. Trop bizarre, il n'y a plus rien au milieu de cette pièce. Donc là, il y a tout mon dressing
qui mérite un sacré rangement. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, j'avais deux commodes, en fait, que je mettais dos à dos, de façon à pouvoir plier, tout ce qui est actuellement sur le sol, de façon à pouvoir plier des basiques, en fait, des basiques et des fringues d'été. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait d'avoir des commodes hyper hautes, c'était un peu bête, parce que oui, effectivement, ça me donnait plus de place. Mais sur le dessus, je posais de la déco alors que j'ai vraiment besoin d'une table dans cette pièce. Et donc, je me suis dit que j'allais soit acheter une espèce de table et essayer de faire un truc avec des tiroirs, en fait, soit racheter des commodes, mais beaucoup plus basses, de façon à ce que je puisse avoir du rangement, mais aussi bosser sur la table. Donc voilà, je vous tiens au jus si jamais ça vous dit. Si on est en train de réorganiser, parce que franchement, ça là... Les 1 milliard d'éclairages, les fils, les machins, les bidules, j'en peux plus. J'en peux plus. En fait, j'ai tout fait dans cette pièce. Donc, je suis en train d'un petit peu tout refaire. Et je vous montrerai le résultat. Mais je vais faire en sorte d'enlever un maximum de matos là. Parce que c'est... Là, c'est trop. Il y en a plein partout. Franchement, déjà, depuis que j'ai acheté ce bureau chez Ikea... Ça, il faut vraiment que je le change. C'est du grand n'importe quoi aussi. Vous savez, c'est le bureau où vous pouvez vous en servir en bureau angle. Parce que du coup, c'est comme une tablette sur roulette que vous pouvez sortir, mais vous pouvez aussi la rentrer. Et franchement, c'est trop bien. En plus, elle est assez large, la table. Donc, ça me permet de mettre pas mal de produits ici. J'ai mis tout ce qui est anti-cerne, base à paupières. J'ai mis les colles à faux cils, etc. Les petits outils, genre les recourbe-cils, taille crayon et tout. Et franchement, je suis trop bien. Je suis trop trop bien. Depuis que j'ai ça, je respire de nouveau. Et c'est trop un kiff de pouvoir filmer et pouvoir vraiment bouger mes bras, quoi.